Coucou les poissons, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de mai 2020. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes de poissons. Ah, je vous envoie plein d'amour. Pour toutes les personnes qui sont nouveaux sur ma chaîne, abonnez-vous, likez cette vidéo, laissez-moi votre commentaire, c'est important. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée, je vous invite à visiter mon site. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Toutes les informations sont sur la barre de description. Ok. Les poissons. Si vous souhaiterez aussi approfondir la partie sentimentale, je vous invite à aller voir votre tirage Love Sentimental disponible sur ma chaîne YouTube. Vous avez les liens dans la barre de description. Les poissons, qu'est-ce qu'on ressent pour les poissons? Les poissons, qu'est-ce qu'on ressent ce mois-ci? 10 de denier. La famille. Importante. La famille, les enfants, la stabilité, la sécurité. L'énergie que vous avez. Sécurité, stabilité, famille. Tout ce qui amène éventuellement à s'équilibrer, à se mettre en place, à se positionner. C'est incroyable parce que le 10 de denier, c'est vraiment en rapport avec ce que j'ai actuellement, ma cocombe. Et ça ne m'étonne pas en fait, parce que vous les poissons déjà, vous avez une belle énergie des poissons, mais super belle énergie. Mais la famille, c'est quelque chose d'assez important pour vous. Le fait d'avoir le soutien, le fait d'avoir des personnes qui sont là en fait pour vous aimer. Et j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous aussi prennent le temps tout simplement pour savourer chaque situation et chaque énergie qui vient vers vous. Et c'est incroyable parce qu'avec les 10 données comme énergie, au niveau de votre finance, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont chercher à s'équilibrer, à résoudre en fait des difficultés. Si jamais il y a des difficultés, j'ai bien le sentiment qu'il va y avoir une solution. Mais en termes de votre état d'esprit, je vous vois vraiment être présent dans le moment. Vous êtes dans le moment, l'instant présent. Vous savourez l'instant présent. Vous prenez aussi le temps aussi de prendre des nouvelles de vos êtres chers. Vous prenez aussi le temps aussi de faire un Netflix and chill. Vous prenez le temps aussi de changer les décos dans votre maison. J'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous sont en train de se développer psychiquement au niveau spirituel. Il y a quelque chose d'assez sain et spirituel dans votre énergie durant le mois de mai. Il se peut aussi que beaucoup d'entre vous sont aussi en plein éveil, en pleine connexion avec aussi vos racines, vos ancêtres. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment une belle initiation énergétique que je ressens pour vous. Après, au niveau énergie, plein d'entre vous, durant le mois de mai, travaillent sur votre propriété. Peut-être que vous êtes en train de devenir des commerçants, vous avez envie de vendre quelque chose, vous avez aussi envie de renégocier les contrats que vous avez actuellement avec l'entreprise que vous avez. Vous envisagez aussi d'agrandir votre famille, vous envisagez de faire quelque chose, en tout cas, qui est dans le sens de la sécurité et de la stabilité. Ce qui traverse cette énergie, c'est le pape. Donc, signature de contrat, achat d'une maison, investissement, peut-être que vous êtes en train de devenir entrepreneur. Après, ce qui traverse cette énergie, c'est le pape. Donc, le pape aussi, ça peut être éventuellement le fait de conformer à une certaine ordre ou conformer à une certaine situation. Donc, il se peut aussi que certains d'entre vous sont en train de vous marier durant le mois de mai, ou il peut y avoir un repos de votre date de mariage et que vous êtes en pleine organisation par rapport à ça. Mais pour moi, le pape, c'est vraiment un éveil spirituel. Ça confirme ce que je disais aussi par rapport au début de l'énergie. C'est vraiment un mois spirituel. Je pense qu'il y a aussi une rupture karmique. Quelque chose, quand je parle d'une rupture karmique, je pense que beaucoup d'entre vous aussi ont vécu des moments pas forcément évidents, et spécialement dans votre vie personnelle. Ça peut être au niveau amour, où vous avez éventuellement su faire des compromis, où vous avez su faire des choix pas forcément évidents. Durant les mois de mai, j'ai bien le sentiment que c'est enfin votre moment en fait de pouvoir savourer les choses et pouvoir vivre avec une certaine plus de stabilité. Il se peut aussi que vous avez aussi avoir affaire avec une personne qui a une forte caractère, une forte personnalité, quelqu'un qui aime être au contrôle, quelqu'un qui aime décider. Et j'ai le sentiment que je vous vois vous affirmer avec cette personne, vous voyez. On va voir votre passé. Regarde, vous avez une personne dans votre vie, je ne sais pas qui est cette personne, mais c'est une personne qui est bien en place. Mais comme on est sur un empereur dans l'énergie, ça fait depuis quelques mois que vous traitez des situations familiales. Et les mois de mai, on est toujours sur des énergies familiales en fait. Les relations avec, si vous êtes divorcé, le père de vos enfants, vous avez vraiment envie de rétablir une certaine, voyez, ordre et une certaine relation avec le père de vos enfants. Au niveau de votre vie amoureuse, au jour d'aujourd'hui, vous savez exactement ce que vous recherchez, ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie amoureuse. Sauf que avec cette énergie, j'ai bien le sentiment que certains d'entre vous sont en train de penser à une personne que vous avez aimée.
dans le passé, parce qu'on a un indice des données, donc c'est peut-être que ce soit une personne que vous avez connue auparavant et que vous avez perdu contact avec cette personne, parce que je vous vois éventuellement aller aux nouvelles ou envie d'en savoir de nouvelles de la part de cette personne. Après, je vous vois éventuellement aller dans une énergie où vous n'êtes peut-être pas expressif émotionnellement, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Pour un signe d'eau, 3 de coupe, je vous vois pas forcément vous exprimer énormément. Et j'ai le sentiment que vous sélectionnez quelques groupes de personnes qui vous comprennent pour pouvoir exprimer en fait vos sentiments ou exprimer des choses en fait qui ne vous conviennent pas actuellement. Après, en termes d'état d'esprit, en termes de fondation, pour moi, un 3 de coupe, c'est vraiment le fait de se dire je fais les choses quand je suis amenée à le faire. Je ne me prends pas la tête, je n'essaie pas de forcer la situation, j'essaie de vraiment d'aller avec le flow. Ok? Aller avec le flow, aller en douceur avec la situation. Et les 3 de coupe aussi, c'est souvent quand on reprend contact avec nos bases d'amis. Et du coup, ça fait du bien parce que ça change éventuellement de la quotidien, ça change de tous les jours. Et ça permet éventuellement de jouer sur l'état d'esprit, l'état émotionnel, pour ne pas rester fixe et bloqué dans une énergie. Il se peut que beaucoup d'entre vous qui sont mariés, il se peut aussi qu'il y a trop de routine ici parce qu'on a les deniers. Et pour moi, les deniers, ça ne bouge pas comme énergie. Il se peut qu'on soit trop focalisé en fait sur la maison, les finances, le travail, qu'on n'est pas forcément focalisé sur la partie affective de la relation. Donc, je pense que durant le mois de mai, vous allez exprimer aussi les choses que vous sentez qui n'est pas forcément en accord avec vous dans cette relation. Et ça peut permettre éventuellement de faire une sorte de shift, changement au niveau de la façon dont vous et cette personne, en fait, sont. Les amoureux, esprit créatif, beaucoup d'entre vous sont des chanteuses, beaucoup d'entre vous vont commencer à travailler sur l'un de votre don artistique, chanteur, peintre. Il y a peut-être quelque chose que vous aimez faire, vous allez dévouer en fait votre énergie à vouloir réveiller en fait ce don, cet talent que vous avez, un talent caché. Après les amoureux aussi, ça peut être éventuellement le fait d'être tiré dans deux sens. Vous avez deux personnes à votre cœur, vous aimez deux personnes et vous aimeriez bien éventuellement vous retrouver avec l'autre personne. Vous pensez à quelqu'un que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je pense aussi que beaucoup d'entre vous aussi vont travailler sur votre corps physique, perdre du poids, regagner votre confiance en vous, essayer vraiment de travailler aussi sur votre beauté intérieure et votre beauté extérieure. Si vous êtes un homme, je pense que durant le mois de mai, vous avez vraiment envie de vous préparer à votre future rencontre, spécialement si vous êtes célibataire. Mais en général, j'ai le sentiment que vous essayez vraiment de savourer en fait chaque énergie que le mois de mai vous amène. Donc, clarification par rapport au 10 de denier. Envie de partir en voyage ou tout simplement avec les chevaliers des bâtons comme énergie, c'est vraiment le fait d'aller à l'aventure, casser la partie très routinière de votre vie de tous les jours. Voyez, casser une certaine routine, c'est ce que je ressens. Le pape comme énergie pour moi, c'est vraiment le fait éventuellement de faire quelque chose qui vous permet de développer votre finance et de pouvoir éventuellement évoluer dans votre carrière. Il y a une belle évolution que je ressens ici. Il y a vraiment quelque chose qui se manifeste point de vue stabilité, finance et carrière. Il y a quelque chose qui évolue ici. Dans le passé, avec le pape comme énergie, je pense que dans le passé, vous avez eu peur de perdre quelque chose qui vous est cher, perdre votre ampleur ou perdre quelque chose que vous avez travaillé longuement et durement pour obtenir ou pour avoir. Et je pense qu'il y a eu des inquiétudes par rapport au rôle en fait que vous jouez dans cette entreprise ou au rôle que vous avez en fait en général. Et je pense qu'il y a eu quelque chose en tout cas qui vous a un peu tracassé dans le passé. Du coup, par rapport aux 3 de coupe comme énergie, 3 de coupe, vous donnez une nouvelle chance à la vie, vous donnez une nouvelle chance aussi à votre énergie. Il y a quelque chose de nouveau qui redémarre pour vous, spécialement dans les amoureux. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui vont aller aux nouvelles vers une personne avec laquelle vous avez beaucoup aimé et que vous n'êtes plus en contact avec. Et je pense que vous avez envie tout simplement de voir si cette personne ressent la même chose pour vous. Il y a quelqu'un en tout cas que vous aimez beaucoup ici, quelqu'un que vous pensez souvent à, et je pense que vous allez faire des démarches pour aller vers cette personne. La seule obstacle que je vois pour vous ici, c'est les chevaliers de deniers. Chevaliers de deniers en obstacle, c'est souvent quand on n'a pas forcément tous les équipements ou toutes les ressources nécessaires pour pouvoir mettre des choses à notre plus grand avantage. C'est pourquoi je pense que si vous êtes face à quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas ou que vous n'êtes pas forcément au contrôle d'eux, n'hésitez pas à demander ceux qui sont dans cette ressource ou ceux qui ont ces capacités pour pouvoir vous aider et pour pouvoir vous assister. Parce qu'avec un chevalier de deniers, c'est vraiment le fait éventuellement de être plein de savoir et être plein de connaissances. Et je pense qu'il y a la partie théorie et la partie pratique des choses. Donc, pour pouvoir éventuellement être un peu plus pratique et rationnel et avoir du temps aussi pour vos propres choses personnelles, n'hésitez pas aussi à demander des renseignements ou des aides des personnes qui sont compétentes dans ce rôle-là.
Les poissons, on met végétarien, donc c'est incroyable parce que végétarien, éventuellement, nous parle éventuellement de votre alimentation, le fait de changer en alimentation. Après, végétarienne, pour moi aussi, c'est le fait éventuellement de changer vos habitudes par rapport à ce que vous consommez, d'avoir un meilleur aliment. Je dirais aussi que peut-être que ce que vous mangez a beaucoup d'effet aussi sur vos hormones ou sur votre énergie. Donc, n'essayez pas aussi, pas forcément devenir végétarienne parce que c'est un peu extrême pour certaines personnes qui ne sont pas dans cette énergie. Mais végétarienne vous dit tout simplement, essayez de manger des choses qui vous permettent de vous sentir bien dans votre corps, vous donnez un bon état d'esprit, ne vous permet pas éventuellement de vous sentir lourde ou de consommer des choses parce que vous êtes en manque émotionnel. Le timing parfait, certaines choses vont se faire quand le moment doit se mettre en place. Vous avez le pouvoir, faites-vous confiance, vous avez le pouvoir de pouvoir changer la situation et vous avez le pouvoir de réaliser votre rêve. Sauf qu'il faut mettre aussi en place de bonnes actions pour pouvoir le voir réaliser. Le message angélique pour mes chers signes de poisson. poisson, mais qu'est-ce que le mois de mai? 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Manque de gentillesse. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Donc, il y a quelque chose qui va venir vers vous durant le mois de mai qui va vous faire super plaisir. Il y a quelque chose qui va vous rendre super heureuse. Donc, je pense qu'aussi, comme les cartes ont dit, les besoins matériels ou professionnels ou autres seront comblés. Donc, n'hésitez pas éventuellement à donner éventuellement aux autres pour pouvoir recevoir. D'accord? Merci beaucoup, mes chers signes de poisson. Je vous envoie tellement d'amour et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!